Salut tout le monde, bienvenue sur Construction Rénovation. Donc aujourd'hui, on va se faire une nouvelle vidéo. Donc comment faire un plafond démontable. Comme vous le voyez là, j'ai déjà positionné le laser, j'ai déjà posé deux cornières. J'en ai posé une ici et une là. Et donc tout d'abord, vous commencez à définir votre hauteur en partant du sol. Vous définissez votre hauteur. Puis vous positionnez votre laser comme ceci pour vous donner la périphérie. Et ensuite, vous passerez au calepinage et au porteur. Donc, je vous mets un petit accéléré sur la pose des cornières. Donc, pour la coupe des cornières à la cisaille, pas avec une machine ou je ne sais pas quoi, on coupe ça à la cisaille. On prend ses mesures. Faire attention à ce que on soit toujours pile poil dans les angles. Je vais vous montrer juste après avoir posé cette cornière. Il me reste juste ce morceau là, donc sur les cornières il y a un côté pour faire le raccord. Voilà, enfin, je mets une vis dedans. Tac. Toujours mettre le côté propre ensemble. Voilà. L'angle. C'est un peu levé, donc tu la tires un petit peu. Descendre. Et voilà. Donc je vais mettre ce bout là. Sur une chute que j'avais déjà avant, avec cette chute là que j'ai coupée de cette baguette là, et je vais vous montrer comment on calpine. Bon, pour le calpinage, rien de compliqué. Je prends ma longueur et ma largeur. Donc là, je prends la longueur. De mur à mur. Donc là, j'ai 2,3 m. Ce qui fait 1,5 m. Donc là, j'ai à ce niveau-là, j'ai mon axe de la pièce dans la longueur. Donc je fais pareil de l'autre côté. J'ai un laser, bien sûr. Ça n'est plus aucune utilité. Ça va aller gaspiller la batterie. La largeur 1,52 m, ce qui fait 60, la moitié 50, 75, 75 plus 2,5, je divise en 2, ce qui fait 1,2 m. Tac, donc ça fait 1,2 m, on va dire. Parce que le 1,2 m, c'est le moitié d'un millimètre. Le et demi. Bon, donc là, j'ai mon axe pièce, largeur, longueur. Maintenant, je trace une dalle. La moitié d'une dalle. Donc tout dépend, vous avez pris des dalles de combien. Donc là, je travaille avec des dalles de 600-600. Et 60 cm sur 60 cm. Mais qui ne font pas 60 cm. Il faut le savoir. Ils font, je crois, c'est entre 59 et 59,5 la dalle. Donc là, je trace 60-60. Il me reste 72. Donc si je prends encore 60 d'un côté, il va me rester 12 cm. Donc une coupe de 12 cm, c'est pas beau, c'est moche. Donc,
Je fais quoi? Je ne mets pas une dalle à l'axe, je vais mettre une ossature à l'axe. Donc je vais prendre 60 de l'axe. Ce qui me fait une coupe de 42 mm. Ce qui est correct. Hop. Donc là, j'aurai deux dalles entières ici à l'axe. L'autre côté. Donc maintenant, je fais pareil, je prends 30. Ici, je mets une dalle à l'axe. 30 et 30, ça fait 60. Voilà, donc là, j'ai mis une dalle à l'axe, pas une ossature à l'axe. Et il me reste une coupe de 42, 46, 46 de chaque côté. Donc qui est une coupe correcte. Donc nous on se met une base de pas avoir une coupe en dessous de 30 cm. Donc de là, vous tracez bien sur vos murs qui sont équerres. Vous aurez fait vos cloisons équerres auparavant, bien sûr. Et vous commencez dans l'angle équerre. Donc moi j'ai cette cloison là et la cloison qui est derrière moi équerre. Les deux autres murs, c'est des murs existants. Donc, ce ne sont pas des caisses, c'est du vieux. C'est des vieux bâtiments. Donc, de là, je mets mes porteurs dans le sens perpendiculaire aux poutres. Donc, mes poutres sont dans ce sens-là, dans le sens de cette cloison. Comme ça. Donc, je mets mon porteur comme ça, pour pouvoir fixer sur les poutres, les tiges. Alors, là, je prends ma parallèle de 46. Je prends parallèle à mon mur de la cloison. Je trace mon mur existant 46. 46. Donc ça, ça sera mon porteur. Et il me reste 1,5 m. Donc je n'ai pas d'autre porteur. J'en ai que un dans cette pièce. Donc j'aurai un porteur ici. Il ne sera pas à l'axe. Pas que je vous dise non, c'est l'autre côté que l'entretoise est à l'axe. Ce serait une entretoise à l'axe, pas le porteur. Donc, de là, j'ai tracé mon parallèle là par rapport à cette cloison. Maintenant, je vais prendre la cote dans l'autre sens qui est de 41 sur le mur que j'ai divisé de 41,5. Donc, c'est 41,5. Là, c'est ça. 41,5. Et ça, ça va être ma coupe porteur. Donc je vais couper 41,5 au porteur. D'après le trou, je vais vous montrer. Je vais aller couper et je vous remonte ça. Bon, donc voilà, j'ai coupé mon porteur. Je vais juste le poser. Hop là. Donc. Les 41,5 que j'ai coupé, c'est de ce mur-là jusqu'ici. Voilà, vous voyez à peu près. Bon, je suis pas bien positionné. Donc, on prend 41,5 du trou. On regarde à chaque fois pour arriver à 41,5. Donc là, vous voyez que j'ai un trou. Donc, les trous sont tous les 10 cm. Tous les 10 cm, j'ai un trou. Tac, tac, tac. OK. Donc ça, c'est un porteur. Donc là, vous voyez qu'il me reste 1,5. Hop là. L'autre côté, j'ai pareil. Donc on coupe d'abord ces 41,5. Ensuite, une fois qu'on a coupé, on prend la mesure bien du fond. On prend la longueur. Tac, jusqu'au bout. En laissant une petite marge de ce côté-là. Pour réajuster un petit peu. OK ? Donc là, vous voyez, je suis un peu trop grand. Donc je dois un peu le forcer. Donc je vais recouper un petit chouïa. De là, vous positionnerez votre porteur sur le trait axe. Donc ce que je dis à l'axe, c'est à l'axe d'en bas. Donc en gros, aligné à ça. À cette petite lamelle.
Parce que ce n'est pas une lamelle, ce sont deux lamelles ensemble. Vous voyez un peu? Voilà, qui est replié, qui est puis en fait mis avec le truc de finition blanc par en dessous. Bon, ça, on s'en fout. Ensuite, je vais recouper le porteur. Je vais positionner le porteur à l'axe ici, axe là, de ce côté-là. Ensuite, je vais positionner mes tiges. Donc là, c'est une petite pièce. Donc moi, je positionne mes tiges à l'œil. Hop. Sur les poutres, en trouvant les poutres qui sont dans ce sens-là, toujours dans le sens de la largeur de la pièce. Donc la pièce qui est grande, j'ai séparé. Voilà. Ça, c'est l'autre partie de la pièce. Je disais, pour les tiges, moi, je les positionne à l'œil aligné à mon porteur. Si c'est une grande pièce, vous posez votre laser sur votre trait de chaque côté, qui vous donnera le trait sur le plafond. Et vous pourrez mettre vos tiges sur la ligne de votre laser. Donc les tiges, ça met tous les 120 cm maximum. Donc, si vous avez plus entre chaque poutre, donc ce n'est pas bon. Pour fixer mes tiges, pour fixer mes tiges, ouais. C'est le matin, je suis encore un peu KO. Vis de 90, équerre Steed. Voilà, je l'enfile, tac. Donc quand je dis vis de 90, c'est vis de 9 cm. Donc il se peut que les poutres soient plus haut, soient plus bas. Donc là, je sais qu'il me faut des vis de 90 pour accéder à la poutre, pour avoir un minimum de vissage, qui est à peu près ça. Je vais essayer de trouver ma poutre. Hop là. Donc, je tiens mon équerre visseuse choc, toujours. Donc, pour visser les cornets, j'ai ma visseuse à placo. Pour les poutres, j'ai une visseuse choc parce que pour rentrer dans les poutres, des vis de 90, c'est très compliqué. Savoir comment, à partir de quel moment vous êtes dans une poutre, donc c'est pas compliqué, vous le sentirez tout de suite, sa force de fou. Donc vous allez avoir du mal à visser, donc faudra bien forcer, même avec une visseuse choc pour mettre des vis de 90. Alors que là, regardez, j'ai déjà fait des pré-trous à cet endroit-là. La vis, je peux la rentrer la main en entière. Donc là, à partir de ici, ça a commencé à forcer. Comme ça. Un peu moins, je crois que c'était. À peu près là. Donc là, j'atteignais la poutre. Ouf. Donc, une fois que vous avez votre première poutre, les poutres sont entre 50 et 75 cm. Tout dépend de l'ancienneté du bâtiment. Et tout, voilà. Donc, j'ai déjà eu de la poutre à 50, de la poutre à 40, 70, 75. 80 même, j'ai déjà eu des poutres. Donc quand c'est comme ça, donc faut mettre des suspentes à chaque poutre. Donc là, je mets une deuxième équerre. Donc je vais tracer mes 70, mettre la deuxième équerre. Donc là, on est parti sur la tige lisse réglable. Donc vous mettez ça en place. Donc tout dépend le plénum que vous avez. Donc le plénum, c'est entre votre plafond, votre faux plafond et le plafond existant. Ça, c'est un plénum. Donc là, je sais que j'ai un gros plénum, donc j'ai pris des suspentes 60 cents. Donc je peux faire 60 cm à 100 cm. Donc je peux faire moins que 60, mais je vais devoir recouper les tiges à la pince Monseigneur. Au coupe-boulon. Donc, pour fixer les tiges, pince multiprise et je serre le petit truc. Donc là,
je la mets dedans. Hop là. Et je serre. Voilà. J'ai fait pareil gros. Pour pas que la suspente ne parte. Donc je fais pareil l'autre côté, je mets les suspentes dedans. Donc parallèle, pas en biais, vu que là vous n'avez pas besoin. Donc là bien droit, sinon votre porteur va tirer d'un côté ou tirer de l'autre. Ce qui n'est pas bon. Pour les entretoises, j'ai des entretoises de 60 et des entretoises de 1m20. Donc voilà. Je prends à 60, je me positionne sur mon axe, là où j'ai prévu mes entretoises auparavant. Tac. Coupe. À l'axe. Toujours à la cisaille. Je coupe ici. Je replie et je coupe l'autre côté. Je positionne mes entretoises bien au trait que j'ai tracé auparavant, qui est ici. Pareil de l'autre côté, pareil là-bas. Donc j'ai déjà mis l'autre qui est comme ça. Donc là, je vais positionner celle d'ici. Donc j'ai un clips chaque côté. Donc d'un côté, j'ai coupé. Et je clipse. Voilà. De l'autre côté, je vais mettre mon entretoise de 60 à 60 cm ici. Entre celle-là et celle-là. Ce qui me donne, voilà, une dalle entière à l'axe de ma pièce. Et là, l'ossature que j'ai dit, à l'axe de ma pièce. De ce côté-là, dans la grande longueur, donc j'aurai deux dalles entières. Une là et une là. Je positionne mon entretoise comme si, ceci, en dessous. Attendez. Je la positionne en dessous. Et je la coupe à l'axe. Donc c'est pas facile à faire là. Je coupe à l'axe. Qui est l'axe porteur. Donc je prends avec mon pouce, je verrouille. C'est un peu compliqué. Hop là. Donc je positionne. Je prends l'axe avec mon pouce, je maintiens. Puis je coupe. La coupe toujours à la cisaille. Je m'aligne à mon pouce, donc mon pouce est de l'autre côté. Vous voyez à peu près alignement. Tac. Et je plie. Puis, je coupe. Ensuite, je clipse. Entre toi de 60. Je clipse. Donc voilà, il me reste l'entretoise là à poser, celle à l'autre côté. Avant de poser, je vérifie bien mon équerrage. Donc je positionne une dalle pour caler, parce que sinon ça peut bouger de gauche à droite. Donc il faut qu'on soit parallèle de chaque côté. Pour ça, il faut être équerre à 100%. Donc là, je suis équerre, c'est bon. Donc voilà, le petit plafond est terminé. Donc je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de construction rénovation. Donc qu'est-ce que ça sera, je ne sais pas, on verra. Et faites bien attention avant de faire ce genre de plafond. On n'est jamais mieux servi que par un professionnel. Un chat dans la gorge. On n'est jamais mieux servi que par un professionnel.
Donc, si vous ne pensez ne pas arriver à le faire, ne le faites pas. Appelez un professionnel parce que si vous commencez et qu'un professionnel arrive sur place et doit rattraper votre merde, parce que pour nous, c'est de la merde que vous avez fait. Donc, pas tout le temps, mais bon. Donc, si vous ne pensez pas arriver, appelez un professionnel, ça sera beaucoup plus simple. Allez, ciao, ciao. N'hésitez pas à vous abonner, ça fera plaisir.